aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Sale-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Sale-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Sale-moi, même si les gens disent que tu es malade. Sale-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ce pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ce que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ce que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ce que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarde. Oh, salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Viens dans mes bras, tout le monde t'a rejeté. Viens dans mes bras, si tu te sens abandonné. Viens dans mes bras, oui, si tu ne peux plus supporter. Viens dans mes bras, oh, y'a un Dieu pour les malheureux. Come on, 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 come on
soirée. Que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence repose sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut chanter, on peut chanter. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable, car l'Éternel a choisi notre ville pour se glorifier. Amen. Veuillez vous asseoir. Sœur en Jésus-Christ, en cette occasion douloureuse pour laquelle nous sommes ici, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue et que chacun de nous puisse humblement confesser son péché. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant de ton trône de grâce sur la base de ta parole qui dit: et si vos péchés sont noirs comme du grain moisi, rouges comme le pourpre, tu nous les rendras blancs comme neige. Seigneur, chacun de nous ici, du plus profond de son cœur, pense à tous ses péchés, élan à la colère de nous pardonner. Seigneur, coule au-dedans de nous pour nous rendre purs comme neige devant toi. Père, merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment pour ta bonté. Merci infiniment pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sincèrement son péché reçoit de la part de Dieu le pardon. Que le Seigneur Tout-Puissant nous accorde le pardon de tous nos péchés, qu'il nous purifie de toutes nos iniquités. C'est sa volonté pour nous. Que chacun de nous ici qui a confessé son péché reçoit de la part de Dieu le pardon pour tous ses péchés. Amen. Amen. Et exactement pourquoi nous sommes là? Est-ce pour une occasion de joie? Est-ce pour une occasion de tristesse? Nous ne savons pas. Il se prépare, nous demandons de chanter encore. Oh, blanc, 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 blan
frères et sœurs, nous passons à la parole à la famille pour écouter le bien fondé de notre présence dans cette cour en cette soirée. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus, même comme nous sommes dans une horizon funèbre. Nous sommes ici réunis pour la veillée sans corps de mon père, M. Njomo Thomas. Raison pour laquelle nous faisons notre deuil ici et on va l'enterrer demain. La semaine prochaine, voilà. Nous allons rejoindre notre famille de l'autre côté. Soyez les bienvenus. Je crois que nous avons terminé. Un texte, à savoir Jean 6, versets 41 à 51, Apocalypse, verset 21, chapitre 21, versets 3 et 4, et enfin, l'évangile de Jésus selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Voici les textes qui seront le support de notre prédication en cette soirée. Mais avant de passer à la lecture de tous ces textes, prions Dieu. C'est toi qui nous demandes d'aller à la maison du deuil et non à la maison du festin, car c'est là où nous apprenons à compter nos jours. C'est là où nous reconnaissons la futilité de la vie. Notre vie n'est qu'une vapeur qui disparaît d'un moment à l'autre, Père Céleste. Au moment où nous voulons écouter ta puissance, nous nous confions à toi. Nous te confions, Seigneur, nos oreilles spirituelles. Et te supplions, Père Céleste, de faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Seigneur, que ton Esprit Saint règne dans les cœurs ici présents. Accorde-nous la grâce, non seulement de t'écouter et de te comprendre, mais aussi, Seigneur, la force nécessaire pour garder et mettre en pratique cette parole. Parle à tes enfants qui t'écoutent. Par Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. La lecture des textes de cette soirée, Jean 6, versets 41 à 51. Je lis dans la version Louis II. Là, il est écrit. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc dit-il qu'il est descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans la prophétie, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque vient à moi, c'est moi, ce n'est pas moi qui... Voilà, excusez-moi. Ce n'est personne qui a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. La vérité en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Amen. Apocalypse 21, verset 3 à 4. Là, il est... Et Jean le tue avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et il sera leur Dieu. Et il sera toutes leurs larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil. Ils auront disparu. Amen. Le dernier texte de ce il y avait un homme riche qui était vêtu de poudre et de ferme et que chaque jour venait joyeusement et priamment. Un pauvre homme de Vitata, ouvert un cerf
Parole. Tu nous as donné ce soin de comprendre, Seigneur, ce que tu réserves à des créatures que tu as créées à ton image. Des créatures qui sont à l'image de Dieu. Oh, Dieu. Notre prière ici, c'est que tu touches les cœurs de ceux des nôtres qui n'ont pas encore choisi le paradis, qui ne savent pas encore où ils passeront le paradis. Seigneur, nous te supplions de toucher leur cœur, afin que sincèrement qu'ils se répandent de leurs péchés, parce que celui qui veut venir après toi doit renoncer à sa vie de péché dans ce monde. Et toi seul, Père, accorde la vie éternelle. Que Père, par ses bonnes œuvres ou par n'importe quoi, mais que celui qui a voulu avoir la vie éternelle accepte Jésus-Christ. Qu'il mange Jésus-Christ, ce pain descendu d'auprès de toi, Éternel notre Dieu et notre Père. Nous voulons élever cette famille endeuillée au-devant de ton trône de grâce. Tu connais sa tristesse, tu connais le manque que la disparition de papa a occasionné. Beaucoup attendaient encore de ce papa pour leur projet d'avenir. Beaucoup attendaient encore de ce papa des conseils fructueux. Ce papa aussi, Seigneur, rêvait voir ce que deviendront ses petits-fils jusqu'à la quatrième et même à la cinquième génération. Mais il a été arraché à la vie par la mort. Père miséricordieux, tu sais que nous sommes une vapeur. Et nous te prions, accorde-nous la grâce de connaître l'amour que tu as manifesté à notre endroit en laissant ton fils mourir sur la croix afin que nous puissions l'accepter et être heureux le jour où la mort frappera à notre porte. Être heureux le jour où le compteur de notre vie commencera à s'arrêter. Éternel notre Dieu, notre Père. Cette famille va passer toute cette semaine dans le deuil pour enterrer papa la semaine prochaine. Tout ce qui va se passer pendant cette période, Seigneur, nous savons que dans certaines familles, pendant des circonstances si douloureuses, c'est alors que des conflits s'installent, des conflits interpersonnels. Nous te prions qu'il n'en soit pas ainsi pour cette famille. Que tu leur accordes intelligence, sagesse et force nécessaires pour s'entendre quant à l'organisation de toutes les articulations des obsèques. Nous te prions, ô Dieu, d'être au centre de toutes les préparatifs. Nous te prions, Père miséricordieux, de leur donner une fois de plus à comprendre que ce n'est pas en pleurant que papa va revenir changer, parce que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi, Père miséricordieux, qui décide de ce que va devenir chacun de nous. De ce papa, que tu donnes à toute la famille de pouvoir être prête pour se rendre là où papa sera laissé pour lui dire au revoir. Bien sûr qu'en le disant, il ne sera pas là pour écouter. Mais Seigneur, accepte que nous puissions parler comme des gens insensés devant cette situation. Nous nous confions à toi, nous qui après ce service allons retourner dans nos domiciles respectifs. Nous te prions, ô Père, d'accorder à chacun de nous
un retour merveilleux, que rien ne vienne troubler notre retour. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de dormir sous la protection des anges que tu vas envoyer camper autour de chacune de nos maisons. Seigneur, que tu couvres chacune de nos maisons avec le sang de ton Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons rendus invisibles aux yeux des puissances des ténèbres et des malfaiteurs de tout genre. Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous exauces, au-delà même de ce que nous avons pensé. Sois béni au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui nous a appris à te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Amen. Nous recevons les exhortations et la bénédiction finale. Amen. Amen. Come on.
Oh,
papa. Mon papa Tanjo. Jean Moutoma. On est en train de finir avec lui. Donc c'est sa chèvre ici. Le sang là va me toucher. Parfois ça peut te toucher, mais on laisse. Il viendra. Pour tout, c'est de mes yeux que je le vois.
Tu as pris ici, maman. Tu vois le café noir. Le déjeuner, voilà. Que pas le pain, voilà le café noir. Il a pas une grippe. Tu fais de l'écoubé aux gens. Mon balai. Pour le coup, mon cul, t'es grave à vue. Mon tout. Tu vas aller voir. C'est pas le problème de servir. Amène les gobelets. Amène les gobelets. Oui, ça change plus ça. Parce que depuis là, on va le partager. Merci. Bueno, papá, viva, sí, sí. C'est des relations qui m'amènent ici. Comme tu fais le choix pour ton café. Je ne suis pas Bameleke, ma soeur. C'est ton café. Voilà, les familles, comme vous dites. Envoie les gobelets, qui veut le café? Ça va? Ça va? Non, pas encore service. Ça va? On monte là-bas. Ça va, ça va. Oh, no, 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 no,
ne la veux même pas lire. Thank you.
Yeah.
toi-même, lève-toi. Jésus n'aime pas la honte. Mais Jésus n'aime pas la honte. Mais Jésus adore les bureaux. Mais sur tous les pieds de Dini. On sent tout héros. Je parle de
Yeah, I know.